Borboué-Gonzagueville, quartier de Poteau. Ici, à la paroisse Elohim, l'eau a causé d'importants dégâts. Aimé de Dieu, l'un des responsables de ce temple divin est désespéré. Le temple, les vestiaires, la cour sainte où nous sommes actuellement, la maison du chargé, partout, c'est inondé. Et nous nous trouvons dans une zone de bas-fond. Donc l'eau s'accumule ici. La situation est alarmante. La salle de prière est touchée par ces fortes pluies qui tombent depuis peu à Abidjan. L'eau sort par le sol. Parce que derrière là-bas, là c'est les vestiaires. Donc c'est là-bas même l'eau, n'est-ce pas, tout se recueille. Et quand il pleut, puis l'eau monte, alors cette eau-là, n'est-ce pas, revient dans le temple. La solution ici est toute simple. Pour aimer de Dieu, il faut miser sur le remblayage, une astuce pour évacuer l'eau. La véritable solution, c'est le remblayage. Il faut remblayer la paroisse. Voilà. Une fois que la paroisse sera remblayée, je crois que tout cela sera, du passé. Voilà, fera partie du passé. Difficile, vraiment difficile pour les populations de Gonzagueville, certainement dans cette église, comme vous le voyez juste derrière moi, l'église est complètement inondée. Les fidèles ne pourront pas pour le moment assister à une messe. Il faudra attendre l'évacuation de l'eau avant de reprendre le service du Seigneur.